Ah oui. Mercenaires ont une liste qui a 50 personnes pour tuer. Dans la liste, tu as Jovenel, tu as Claude Joseph, tu as Léon Charles. Et tu as Gary Baudot. Pour tuer. Donc, regardez, regardez, monsieur, pas une jouette. Ok? Mais c'est ça. Donc, il y a des noms confirmés, vous comprenez? Mais heureusement, bon, il y a des noms. Chalmas! Je ne vais pas citer, parce que là, ça, je ne vais pas le faire tôt à personne. Donc, moi, je crois que nous connaissons la deuxième partie. Donc, je dis tout le monde, merci en pile parce que vous êtes suivi nous. Peut-être qu'on y a, m'a préparé en troisième partie, le café fait dans 15 jours bien au moins. Parce que faut que moi connaisse ça, nèg yo di exactement. Parole yo di et non monde qui dans financement, bah ça, et ça capable de demander tout pour nèg déplacer. Pour chercher qu'on est, parce que c'est une enquête que n'a mené. Donc, pas de panique, n'a pas suivi ça qui passe. Et faut que moi dis nous, qu'on a un problème entre Ariel avec Palais National. Gagné au carré évoqué dans le palais national. Gagné de ministres qui sont capables en difficulté. Et Ariel capable de prendre des décisions prochainement qui peuvent montrer la République ce qui peut le passer. Et déjà, c'est le grand combat. Et dernière information que je vais vous aller vraiment. Il y a un homme qui est dans l'islam, je suis obligé de dire. Tellement nous sommes menacés, nous sommes tout le temps, nous ne pouvons pas chercher qu'on est. Nous sommes obligés de ça, 5 policiers, pas vrai? Et puis nous avons dit, ah, moi j'ai ça, les nègres Jovenel, les nègres Jovenel liés, ah, ça y est. Après, Jovenel le film, le premier nègre à ça, où il y a pour tuer, c'est Maurice Jean-Charles. Et comme il y a une information, service secret par information, hein? Il est obligé par Maurice Jean-Charles, agent sécurité santé Ravel, parce que vous êtes pour tuer Maurice Jean-Charles le même jour. Informez-nous. Les rares photos que vous avez sur Facebook, lui montrer, Mandi Sayo, Nek Sayo, Militaire Sayo, vous avez un patch là, dans l'uniforme que vous avez. À l'intérieur du patch, Walter, vous avez qui marquait lancer. On n'est pas marqué l'ANCEO. L'ANCEO avait dit force spéciale de la Colombie. C'est comme une spécialisation après leur fin dans l'armée ou fin de l'expérience ou obligé à le faire une heure de formation dans la jungle, dans le monde. Combien de semaines pas manger pour qu'à faire partie de l'ANCEO. Et le gain son aide qui a participé, qui a suivi l'épreuve ça, à peine si il y a 20 nègres qui ont fait partie de l'ANCEO. 80 nègres pas capables. Donc, nègres qui ont été venus là, c'était des militaires, c'est des animaux. C'était comme des rangers, négoyés. Et c'est comme tout le monde qui a pris le cinéma, négoyé. Chaque grand négoyé, c'est Rambo. Et vraiment, si négoyé, t'es qu'un zambou, vous voulez pas aucun négoyé qui t'a pris. Faut que nous connaissions le pays d'Haïti. Faut ne pas oublier. Une armée est grande par rapport à l'expérience. L'armée colombienne, la bataille depuis 1964 contre les FARC. Hein? Walter, qui est un diplomate,
L'armée colombienne est une armée d'expérience. Depuis 1924 à nos jours, elle a mené une guerre non conventionnelle. Ça veut dire la bataille chaque jour et la guerre continue. Donc, les 28 mercenaires, Nexao, c'est 28 machines à tuer. Des tueurs à gages, des sans-foi ni loi. Et aucune unité de la police nationale n'a pas qu'à résister et arrêter l'opération de ces malfrats. Parce que nous pas une technique, nous pas que vous ça. Bien que yo prenne Negio, yo arrête Negio, donc c'est des nègres, si yo compte, yo monte dans mon yo, gen zanm ap goumen, nèg ki te la yo, yo ap efface tout nèg ki te la yo. Ou ka yon ou nèg, deux nèg, soit trois nèg, ki gen formation, mi nèg sa yo, si te tue à gage, personne n'a pas kakembe yo. Donc, moun qui choisit nèg sa yo, c'est pas n'importe qui moun. Les Colombiens ont été bien choisis et bien recrutés par les responsables de l'opération. Et pour objectif tuer Jovenel là, nèg sa yo, pas gen rien que t'as fait yo pas tuer Jovenel. Nèg sa yo t'a pris Jovenel quand même. Nèg palais national yo pas t'a ka empêché yo tuer Jovenel. Parce que nèg sa yo choisi yo, chien méchant sa yo, yo t'a pris Jovenel quand même. Je voudrais souligner pour vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez sur la chaîne 16, Facebook, YouTube, etc., nous-mêmes captadés sous 107.7 FM stéréo. Pendant que vous tapez entre les Jovenel là, assaillant vous, Colombien vous, lancez trois grenades à fragmentation. Tout policier haïtien ou te soud. Yo déboussolé, yo égaré. C'est jeter des âmes courues. Négo te aveugle, yo aveugle négo. C'est quoi comme d'avait dit, son coup de tonnerre qui se tensait. Nous sommes dans les coups de tonnerre, mais c'est un mari comme ça, tout prêt tomber. Tout le monde n'a pas le reste. Courir rentrer en bas cabane. Quartier a tremblé. Aucun policier haïtien pas habitué à grenade à fragmentation. Si c'était le cas, ou t'as la gueule, les attaqués m'ont dit, pas de monde qui connaît même. À l'extérieur, soit après quoi extérieur, ou qu'attendait. Mais grenade à fragmentation, ça n'y a pas gagné. Ils n'ont pas habitué à elle. Si la main-d'œuvre était haïtienne, sécurité président, les USP, les GPN, a eu la bataille. Disons comme si nous avions dit un groupe nègre qui sortit comme coalition de nègres armés, individus armés, qui sont dans tout quartier populaire monté pour aller prendre Jovenel. Ah, et bien vous, nous avons goûté. Mais comme la main-d'œuvre est étrangère, la main-d'œuvre est venue d'ailleurs. Assaillants, humiliés, policiers, ils maltraitent le président de la République et ont tué le président. Nous n'avons pas honte de l'assassinat. C'est goumen, n'a pas goumen. Colombie t'es doué, Walter, présentez-nous, Nixon, excuse pour sacrifier. Nous tellement projeter une mauvaise image
après assassinat président Colombie pas occupé nous. Le fin de ce Jovenel, nous va nous compter en humilienne. Pas qu'il y a aucun ambassadeur colombien ou bien moun colombien pour ta vinicite si ou pas excusé pour ça qui passe. Nous avons tout pays sous la terre, nous avons déclaré persona non grata. Les policiers, nous passons Jovenel mourir, ils n'ont pas humilié nous. Il n'y a pas de jambes en sérieux parce que c'est goumen d'ab goumen. Pour finir, vraiment, une information qui tombait aujourd'hui. Martin Moïse, by une interview à New York Times. Il baille un détail. Et il y a des pistes concernant l'assassinat de son mari. Et il dit que l'envisageait, il pensait que capable candidat à la présidence. Et elle a dit que c'est oligarque qui a assassiné Marie. Les îles, le jour où tu as assassiné Maria, dit Avel, dans la même cabane, il y a eu des coups de feu. Et Jovenel prend le téléphone pour le relayer de monde, pour le monde. Et Martine dit, chérie, qui est-ce que tu es là? Et Jovenel répond, nous sommes les civils à Dimitri. Et on dit que tu as venu. Et c'est à ce moment ça, Martine dit que le cachet de Timounio, non salle qui va être des fenêtres. Probablement c'est dans la toilette de cachet Timounio. Non salle de bain alors. Il retourne. Et, bon côté Maril, le temps pour commencer à parler, n'est-ce qu'il est entré dans la quoi. Et Jovenel dit Martine, coucher. Coucher. Là, il est quoi à terre. Et Martine dit, ok, le blessé. Col plein sang, la gueule à terre, et il fait comme s'il mourit. Il doit parler en espagnol et il a cherché un bagage, un dossier en dedans. Et il a eu un téléphone, il a parlé avec un monde qui a dit chercher. Et puis il a cherché, et puis il y a un nègre qui dit, nous venons. Oui. Il a dit, ok. Et puis, Nego, sorti, il a quitté à terre pour moi. Pendant qu'il a sorti, il a mis pied sous le lit. Il a flashé pour qu'il te connaisse le mourir. Il a proposé de mourir. Comme il a pris une balle, il a quitté comme mort. Et il est étonné que la Cali qui connaît entre 30 et 50 sécurité, il ne sait pas de toute sécurité. Ça. Il dit si personne ne prend une balle, il dit. Il dit la police capable d'arrêter Colombien. Question importante proposée, c'est qui est qui finance l'opération ça. Il m'a dit FBI retracer Cobla, financement, qui route l'argent fait et qui est-ce qui baille Cobla. Et Martine, une explication. Il dit que c'est oligarque là qui fait ça. Et il cite non Reginald Boulos comme étant quelqu'un qui s'est ennemi Maril. Mais il dit, il pas dit, c'est lui-même qui payait assassiné. Mais il cite non, monsieur. Et comme tout le monde connaît, Reginald son monde connu, des bails comme ça, c'est la déclaration de Martine Moïse. Mais elle n'a pas dit que c'est Reginald. Mais tout le monde n'a parlé d'oligarque qu'on a pensé que c'est mon. Qui est cobre et minorité, etc. Mais c'est la déclaration de Martine Moïse. Donc, l'homme fait déclaration ça, on prend responsabilité, ok, par rapport à sa QVA. Donc, mais Martine dit pas candidat. Pendant Martine dit pas candidat, il y a une question pour nous poser d'être. Si Martine pas candidat, Walter, Martine pas en face Michel Martelly?
par ricochet, enfin déduit que PHTK fait Jovenel un mal. Parce que si PHTK a collaboré avec Jovenel, Jodia, Martine, peut-être qu'il n'y a pas de candidat, il a dit plutôt, mais il a soutenu Michel Martelly comme candidat. Mais il dit pas candidat, ça veut dire qu'il a identifié certains mouns dans PHTK qui seraient probablement deux mèches avec assassinat Marie. Et laisser ça, on le fait pas. Donc, la bataille est ouverte aujourd'hui entre le PHTK et Martine. Kounia Martine pour aller monter équipe pour Jovenel et PHTK pour aller monter pour aller monter équipe. Maintenant, thème campagne, je te dis, pour Jovenel. Si c'est Jovenel que Martine va l'utiliser comme thème campagne, PHTK va pouvoir utiliser Jovenel comme thème campagne. Donc, je vais faire un connaît pour conclure l'émission. Pour aller courir. Mais comme il y a élection, vous savez, il me dit que le candidat, pourquoi l'élection? Mais l'interview à tout le journaliste là, pas dit côté mieux. Il avait dit Martine, pas qu'il peut. Et pour l'interview, ça, il y a un peu de diplomate qui était là, et il y a l'autre monde qui était là. Ça veut dire, le monde qui parle en face partie de l'élection, c'est Michel Martelly, Liné Balthazar. L'Hérisson, Lambert, ok, on s'assassine. Tout le monde sait au conseil qui bat lui. Donc, il n'y a pas l'obligé de faire Martine. Allons, belle bataille, moi, mais ouais, ça. Donc, et, bon, je finis pour me dire, je fais un petit temps pour me présenter nos actes 2. Jean, ça t'est passé. Mais, pour dire pas, on va me dire, non. Ah oui. Mais ce n'est aucune liste qui a 50 personnes pour tuer. Dans la liste, il y a Jovenel, il y a Claude Joseph, il y a Léon Charles. Et il y a Gary Baudot. Pour tuer. Donc, regardez, monsieur Marie Jouette. Ok? Mais ce n'est pas ça. Donc, il y a des noms confirmés, vous comprenez? Mais heureusement, bon. Il y a des noms. Chalmas! Je ne vais pas citer eux parce que là, ça, je ne vais pas faire tort à personne. Donc, moi, je crois que nous connaissons la deuxième partie. Donc, je dis tout le monde, merci en pile parce que vous êtes suivi nous. Peut-être qu'on y a, m'a préparé en troisième partie, qu'a fait dans 15 jours bien au mois. Parce que faut que moi connaisse ça, nègre, yo dit exactement. Parole, yo dit, et non monde qui n'a financement, bah, ça, et ça capable de demander tout pour nègre déplacer, pour y aller connaître. Parce que c'est son enquête que n'a mené. Donc, pas de panique, n'a pas suivi ça qui passe, yo. Et faut que moi dis nous, qu'on t'y problème. Entre Ariel avec Palais National. Gagné au carré évoqué dans Palais National. Gagné de ministres qui sont capables en difficulté. Et Ariel capable de prendre des décisions prochainement qui peuvent montrer la République ce qui peut le passer. Et déjà, c'est le grand combat. Et dernière information que m'a banou avant aller vraiment, gon nom moun ki nan liste là, m'oblige dil. Tellement nous même nan nous y tout temps, nous va me chercher qu'on est. Nous on m'origine ça la 5 policiers, va vrai? Hein? Et puis qui t'a dit ah, moi j'ai ça les nèg Jovenel. Les nèg Jovenel lié, va ça yo. Après je vais le film oui, premier nèg à ça où t'es pour tuer, c'est Maurice Jean-Charles. Et comme il y a une information, service secret par information, il y a obligé par Maurice Jean-Charles, agent sécurité, ça a été avec. Parce que t'es pour tuer Maurice Jean-Charles le même jour.